Nous nous levons, chantons ces cantiques ensemble. Et ta Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur. Je voudrais t'écouter. Seigneur, nous sommes que des instruments de communication, mais c'est toi que chacun de ceux-ci est venu chercher et rencontrer. Je te prie, Seigneur, aide-moi à communiquer, aide-moi à transmettre ta pensée. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, entoure-nous de ta présence. Entoure-nous de ta parole, libère ta parole, tu envoyas ta parole et les guéris. Que ta vie coule en ces lieux, j'évoque ta sainte présence dans cette salle, dans cette concession. J'évoque ta sainte présence à cette culte, je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans cette réunion. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Prends tout contrôle et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame bien le Seigneur et nous allons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. C'est le temps de lire dans notre Bible. Alléluia. Alléluia. Nous lisons à partir du premier verset, chapitre 12, Genèse. Il est écrit, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Abraham a parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Après avoir abordé le dimanche passé la famille selon Dieu, et nous poursuivons ce matin sur le même sujet, nous avons parlé le dimanche passé de l'idée de Dieu ou les réalités pertinentes dans l'Esprit de Dieu lorsqu'il créa la famille. Deux choses. Pour Dieu, la famille, c'est son idée. On a vu ça le dimanche. Chaque fois que tu parles famille, rappelle-toi que Elokwana ozo solo la Isaïe Elokwana Nzambe. Ni mambo ya Mungu Elokwana ongea. Famille, c'est l'idée de Dieu. Nous n'étions pas là quand Dieu a imaginé qu'il créerait une famille sur la terre. On n'était pas là. C'est dans son idée de créer une famille que la notion de la création de l'homme est apparue. Il n'a pas voulu créer une famille avec les ours ou avec les lions, mais il imagine, je vais créer un être humain. Je vais insérer en lui mon souffle. Je vais introduire en lui certains de mes potentiels. Et c'est ce que nous sommes. Nous transportons certains potentiels divins. Et ces potentiels, Dieu nous les a donnés pour la famille. Ce n'est pas pour jouer à l'orgueil ou à l'égoïsme. Non, c'est, il a mis ça en nous pour objectif famille. Notre séjour sur la terre n'a de sens que dans l'idée de Dieu. Tu sors de l'idée de Dieu, tu es hors la plaque. Alléluia. Et nous avons vu que le Dieu trinitaire, réalisant qu'il était famille en lui-même, voulut engendrer une famille humaine qu'il va déposer sur le globe terrestre dans l'univers qu'il venait de créer. Et le globe terrestre sera aménagé pour accueillir la famille. C'est pour cela, rapidement, lorsque Adam fut créé, Dieu se rend compte que oui, nous venons de faire une extension en Adam. Nous avons mis notre souffle dedans, mais Adam est seul et la femme fut créée. Et voici, le couple fut chargé de procréer, de continuer la reproduction. Alléluia. D'engendrer, de se reproduire. Et Dieu organisa les choses sur la terre pour que toute chose serve l'homme, serve la famille. Nous sommes au bénéfice de l'idée de Dieu. Ce matin, nous voulons aborder le deuxième chapitre, les sept composantes de la famille, ce matin. Et le texte que nous venons de lire nous donne un modèle type de la famille, Abraham, qui est choisi
en Ur, en Chaldée, pour composer avec Dieu. Depuis Adam, la famille a été créée, la famille s'est reproduite, la race humaine s'est compromise. Ils ont perdu la présence de Dieu, ils ont perdu la communion avec Dieu et le déluge est arrivé. Voici que Dieu a sauvé une famille de la catastrophe, Noé. Il est écrit, et Noé trouva grâce devant Dieu. La Bible ne dit pas, et Noé était parfait dans cette génération-là, c'est pourquoi Dieu l'a réservé. Noé trouva grâce. Ça dit, je ne veux pas supprimer mon projet. Je ne supprime pas mon projet. Je conserve Noé. Je vais commencer à nouveau avec Noé. Vous voyez, dans le parcours de Dieu avec les humains, il a souvent été comme obligé de supprimer les hommes. Au temps de Moïse, vous vous souviendrez qu'il dit à Moïse, « Moïse, ma colère s'enflamme maintenant. » Ce qui va se passer, ok, je te mets à côté, je vais recommencer la création, je vais recommencer une famille avec toi, mais les restes, je les extermine. Heureusement, Moïse comprenait l'idée de Dieu sur la famille et il intercède, il dit, « Non, Seigneur, si tu les extermines là, qu'est-ce qui va se passer ? On va se moquer de toi, on va dire, tu nous as sortis de l'Égypte et puis tu n'as pas été capable de nous maintenir et de nous amener là où tu voulais nous amener, donc tu vas paraître un Dieu faible. » La Bible dit, et Dieu se repentit. Dieu, tu peux écouter quelqu'un de ta famille qu'on appelle Moïse et tu changes d'avis ? Oui. Dieu, ça veut dire la famille est tellement importante devant tes yeux. Oui. N'est-il pas écrit, je connais moi les projets que j'ai formés sur votre vie, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu nous veux du bien, oui. Il dit, oui, je vous veux du bien. Et puis c'est depuis que vous n'étiez pas encore là que je vous voulais du bien. À quoi rime la création ? Toute la création rime les bienfaits, les bontés, les bien-être, l'avenir de l'être humain qui est organisé comme famille. Et durant ce mois, nous voulons que les familles abîmées, les familles détruites se reconstruisent. C'est pour ça que vous lirez Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Il y a un membre qui est comme un os qui est parti par là, un autre est parti par là. Il faudra que tu prophétises sur ta famille. La Bible dit, et il y a un bruit. Ce bruit va se produire ce mois ici. Et que les éléments de ta famille vont se rassembler par la puissance du Saint-Esprit. Pour essayer de recolmater les choses. Pour essayer de rassembler les éléments de ta famille. Afin que l'idée de Dieu retrouve son chemin. Et je prie que ta famille ne rate pas cette grâce-là. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu rassemble les ossements desséchés de ta famille. Peut-être le tibia était déjà parti dans l'eau, ça a coulé vers quelque part. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ça revient et ça reprend sa place. C'est ça qui va arriver dans ta famille. Alléluia. Alors, deux natures de famille. La famille naturelle et la famille chrétienne. Et je voudrais partager sur cette composante, si le temps nous permet. Et la première composante de la famille. Pourquoi je parle composante? En fait, je voudrais dire ceci, à terme simple. Quand tu parles famille, tu vois quoi? Tu vois quoi là?
Quand tu parles la chair à l'arche, tu vois quoi? Tu vois dedans les micros, l'écran, les guitares, la plateforme, la chair. Ce sont les composants de la chair, de l'arche. Les composants de la famille. Quand tu parles famille, tu vois quoi là-dedans? Tu vois premièrement, première composante, les parents, qu'on peut appeler les géniteurs ou les responsables. Alléluia. Alléluia. Nous voyons comme première composante les parents. Genèse 1, 27 à 28. Et les parents, dans l'idée de Dieu, dans le texte que nous venons de lire de Genèse 12, nous constatons que Dieu souligne le singulier. Ta, ton, tes, ton. Vous avez vu ça? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, le pays que je te montrerai, et etc. To, ta, te, to, ti. Et Seigneur, mais Abraham est marié. Où est-ce que tu mets Sarah? Pourquoi tu ne dis pas? L'Éternel dit à la famille d'Abraham. Pourquoi tu n'es pas dit, tu n'as pas dit, l'Éternel dit à Abraham et Sarah. Mais tu dis, Abraham, va-t'en de ton pays. Donc je pars seul, moi, Abraham. Je dis non. Qu'est-ce que tu imagines? Dans mon idée en tant que Dieu, les géniteurs, je vous ai dit dimanche passé, sans taureau, la crèche est vide. L'idée du géniteur est puissamment établi dans la pensée de Dieu. Et quand Dieu parle au géniteur, il est en train de s'adresser à l'ensemble de la famille. Alléluia. Alléluia. Sarah pouvait bouder et dire, hé, Abraham, tu peux y aller. Hein? J'écoutais derrière la fenêtre quand Dieu te parlait. Il parlait à toi. Il disait, Abraham, va-t'en. Il n'a pas dit moi. Toi, tu prends tes bagages. J'ai déjà fait ta valise. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Ce sont tes affaires avec ton Dieu là. Allez-y. L'incapacité de comprendre les composants de la famille engendre déjà des soucis dans l'intégrité de la famille. Quand je ne comprends pas que Dieu prévoit qu'il y ait les parents, qu'il y ait les enfants, qu'il y ait les serviteurs, qu'il y ait les proches parents, que nous retrouvons dans ces textes, première composante, les géniteurs, deuxième composante, les enfants biologiques ou adoptifs, troisième composante, les proches parents, quatrième composante, les serviteurs et servantes dans la famille. Permettez-moi que je vous cite tous les composantes, on va y revenir un à un. Cinquième composante, la culture de la famille. Sixième composante, la foi de la famille. Et septième composante, un espace sur la terre pour la famille. Vous qui écrivez, vous pouvez déjà prendre ça. Alléluia. Alléluia. Et ces sept composantes, nous les retrouvons ici, dans ce texte. Les enfants biologiques, Genèse 4 et à 3. Adam connut Ève, sa femme, et ils engendra Caïn et Abel, et ainsi de suite. Vous connaissez cela. Enfants adoptifs, Moïse, on le voit, adopté par la fille de Pharaon. Et dans le Nouveau Testament, Galates 4 et 5, nous sommes appelés les adoptés dans la famille de Christ. Et dans Romains 8, 29, Christ est appelé le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, dans l'idée de Dieu, nous avons les enfants qui peuvent être biologiques, que nous avons sortis de nos entrailles, mais qui peuvent être aussi des enfants
adopté. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour dire, oui, nous demandons à Dieu de nous bénir et de bénir les entrailles. Mais quand ça ne vient pas vite et que tu veux adopter un enfant, fais-le. Il fera partie de ta famille. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Je sais, pasteur, là, tu veux dire donc que je risque de ne pas mettre au monde toute la vie. Alléluia. Les enfants adoptifs. Quand tu adoptes un enfant, est-ce qu'il devient ton enfant vraiment? Oui. Est-ce que Dieu considère que cet enfant que tu as adopté, c'est ton enfant vraiment? C'est vrai? Oui. Les proches parents. Troisième composante, Genèse 12, 5, nous voyons Lot. Quand vous lisez Genèse 11, versets 27 à 37, vous voyez d'où vient Lot, c'est le fils de Haran, petit frère d'Abraham, le frère cadet d'Abraham, qui était mort avant qu'il quitte Ur à Chaldée. Proche parent, qui se retrouve dans la famille d'Abraham, et il est comme un élément incontournable, un élément qui peut faire que Dieu dise et autorise à Abraham de parler tantôt d'une manière ou d'une autre, il dit à Lot, mon neveu, je vois que nos gardiens de chèvres et de moutons se bagarrent tout le temps. Ok. Tu vas choisir quelle direction tu veux prendre, et moi je vais choisir après. Quel honneur! Pourquoi tu lui donnes un honneur comme ça, que lui aille le premier choix? Parce que c'est mon enfant, il est de ma famille. Il est mon membre, il fait partie de ma famille. Et Dieu le reconnaît. Alléluia! Amen. Alléluia! Laisse-moi vous poser la question. Est-ce que les gens qui vivent avec vous ont essence devant vos, à vos yeux? Les gens qui sont avec vous, chez vous, là, ce sont des parias, des sanctus. Ce sont des êtres humains qui ont la même valeur que vous devant Dieu. Et le mystère de Dieu a permis qu'ils viennent se retrouver dans votre famille, parce que dans l'idée de Dieu, la famille s'agendre et se partage. Dieu a prévu que nous allons engendrer la progéniture biologique, mais que nous allons partager les dotations, les grâces que Dieu nous a données aussi avec les personnes qu'il va mettre autour de nous. Dites avec moi, engendrer et partager. Arrêtez cette histoire-là que nous avons héritée de l'Occident. Papa, maman et les enfants, point. C'est ça, non? Pourquoi la société nous offre ce tableau-là? On est motivé par la peur de la pauvreté. En fait, c'est motivé par cela. C'est motivé par l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est motivé aussi par l'orgueil, le moi. Moi, j'ai décidé. Écoutez, la chose dans laquelle tu parles, moi là, ça ne t'appartient pas. C'est l'idée de Dieu. Dieu n'a pas prévu que c'est comme ça que ça va être. Il a dit, il a prévu tu engendres et puis tu partages. Il a prévu que tu as et tu partages. Je remonte. Dieu a la divinité,
Dieu a sa pluralité dans la divinité éternelle et il décide de partager cela. Et comme il n'y a même personne avec qui partager, il fabrique la personne avec qui il va partager. Quelle grâce! Et si Dieu choisissait de partager cette grâce-là avec les gorilles? C'est nous qui serions des gorilles. Et donc, dans l'idée de Dieu, j'ai quelque chose, j'ai dit cela au troisième culte la fois passée. Quand vous regardez un jeune homme grandir et il veut se marier, qu'est-ce qui le motive? Ce sont ses désirs. Oh, certains même se sont référés à la pensée de Paul qui dit, si tu veux brûler, marie-toi. Écoutez, si tu vas chercher une fille d'autrui, juste pour t'éteindre là, hein, ne viens pas chez moi. Le mariage n'a pas comme finalité un instrument extincteur. Mais qu'elle vous réduisez la femme, quoi. Kizimisha. Regardez ce jeune homme correct. Hein? Un jeune homme qui a grandi normalement. Si vous êtes longue, vous n'y ambiez comme il est ni qu'on a semé comme vous. Et la fille n'est pas venue aujourd'hui. Alléluia. Un jeune homme correct qui grandit correctement constate qu'il a déjà des choses. Il a des capacités. Il s'est tapé même un travail. Ou alors il a créé un travail. Il sent qu'il a des choses à donner. Il a une vision. Il comprend qu'il veut aller comme ça. Alors il dit, il faut que je partage ça avec quelqu'un. Alors il cherche à se marier. Et puis il va chercher la fille de quelqu'un. Une fille qui veut se marier, c'est cette fille-là qui sent qu'elle a grandi. Elle sent qu'elle a grandi. Elle a les richesses sont prêtes. Laissez-vous comprendre ce que je dis. Elle sent que les richesses sont prêtes. Elle sent qu'elle a déjà l'intelligence. Elle sent qu'elle est prête. Elle sent qu'elle a quelque chose à donner à un garçon d'autrui. C'est pas seulement j'ai les mazibas à donner. Hein? Elle sent qu'elle sait faire sa chambre, elle sait faire la cuisine, elle sait aimer, elle sent qu'elle sait faire du bien, elle sent qu'il y a maturité en elle. Et elle commence l'intercession. Seigneur, donne-moi un mari. Tu cherches mari pour faire quoi avec? Je cherche mari pour lui offrir ce que j'ai. C'est ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu. Dieu, il sent qu'il a quelque chose. Mais il est seulement Elohim. Elohim. Créons l'homme à notre image. Il sent qu'il est seulement Elohim. Il s'est dit, hé, mais on a tellement de choses. Il faut les partager avec quelqu'un. Il faut élargir le cercle. Mais comme la divinité est éternel, nous ne serons pas fabriqués ou créés un Dieu comme nous exactement. On va juste prendre une portion de nous, on va mettre dedans. Et Dieu, dans son idée de la famille, il crée la famille afin d'offrir, afin de partager. Il a partagé avec nous son souffle, il a partagé avec nous son amour. Hein? La Bible dit quoi? C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, Dieu veut partager.
Mais il veut partager avec quoi? Avec quelle entité? Avec l'entité famille. Famille. Et nous qui sommes la production de Dieu, nous qui sommes cette émanation de l'idée de Dieu, nous sommes créés pour reproduire et partager. C'est ce qui explique la présence immédiate des enfants qui peuvent être adoptifs, les serviteurs, les servantes, les proches parents. Ce n'est pas un péché dans ta famille. Dis ça à ton voisin. Les proches parents et tout ça, ce n'est pas un péché dans ta famille. Si un proche parent vient chez toi, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un sorcier. Et puis écoutez-moi. Si tu es chrétien, est-ce que c'est toi qui vas avoir peur des sorciers ou les sorciers vont avoir peur de toi? Hein? Si un sorcier vient à ta maison, c'est une belle opportunité de les changer, de les sortir de la sorcellerie. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, sa sorcellerie ne va pas fonctionner dans ta maison. Ça ne va pas bouger, ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous avez peur des démons et des sorciers? Hein? Si un sorcier vient chez toi, pas Péniel, loue le Seigneur. Il ne va pas fuir, il va se convertir. En fait, il va découvrir ce que tu partages avec lui est meilleur que ce que Satan partage avec lui. Vous savez que Satan n'a pas de paix à offrir à un être humain. Satan n'a pas d'amour à offrir à un être humain. Satan n'a pas de bienveillance réelle à offrir à un être humain. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Maintenant, un sorcier n'a pas ces denrées-là. Il n'en a pas. Et quand il vient dans ta famille et qu'il trouve ces choses-là, qu'il n'a jamais attrapé là où il est, mais il change de camp. D'abord, le fait que la puissance de Dieu qui est en toi va paralyser la puissance démoniaque qui est en lui, va déjà le mettre dans un environnement, il est un peu plus attentif. Et il comprend que je crois que c'est ici où je dois rester. Arrêtez ce genre d'histoire où quelqu'un entre dans ta maison. Tu es en train de saluer quelqu'un. Tu imagines que tout le monde est sorcier. Quand il est salué, bonjour, si tu fuis les sorciers, vous savez, les démons sont partout. Si tu dois vivre là où les démons n'existent pas, tu vas aller vivre ailleurs. Tu vas quitter cette planète. Même si tu vas sur Mars, les démons savent y arriver. Mais eux doivent comprendre que nous sommes la famille de Dieu. Ils doivent comprendre qu'ils doivent nous respecter. Et ils savent, la Bible dit, les démons aussi croient et ils tremblent. C'est établi. Bon, composante culture. La culture, c'est la manière d'être et de vivre dans une famille, la culture, ou dans une communauté. De Samuel 13, 11 à 17. 11 à 17, nous voyons l'histoire de Tamar avec Amnon. Amnon est tombé amoureux de sa sœur, Tamar, et il organise le coup pour la violer. Il fait même participer son père. Et le papa, sans discernement, il a envoyé la sœur. Ton frère est malade, un de mon pigir, va préparer pour lui. Après, avant de manger, il dit, tu couches avec moi d'abord.
écoutez les conseils, l'indignation de la fille. Elle dit, non, Amnon, mon frère, ne me fais pas violence. On n'agit pas ainsi en Israël. Dites ça avec moi. On n'agit pas ainsi en Israël. Tu peux le dire pour l'église Arche. On n'agit pas ainsi à l'église Arche. Tu peux dire ça pour ta famille. On n'agit pas ainsi dans ma famille. Maintenant, le ainsi c'est quoi? Quel est le contenu? Devoir à domicile. Lorsque tu vas rentrer à la maison, essaye de constituer la ligne de conduite de ta famille. La culture de ta famille. Proverbe 22:6 dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, établis une culture pour ton enfant. Il va grandir avec cette culture et cette culture-là va l'aider à connaître le Créateur Dieu et à être un enfant de Dieu. Bâtis la culture de ta maison. La culture. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu notes ceci. On peut mesurer la valeur d'une culture par les niveaux de bienséance envers soi et envers les prochains et les niveaux de référence au Dieu créateur. Les niveaux de bienséance et de bienveillance envers soi et envers le prochain détermine la qualité de ta culture. Les niveaux de référence de ce que tu appelles ta culture, les niveaux de référence de cette culture à Dieu déterminera la valeur de la culture que tu établis chez toi. Beaucoup de cultures ont été établies par l'orgueil humain, par les grands de la tribu, par les grands de la communauté ou par le riche de la famille. Regardez dans notre société, il y a des lois qui ont été établies parce qu'un grand-père, il était le plus riche, il a établi que désormais, dans ma famille, marier une seule femme, ce n'est pas un problème. C'est un problème, il faut prendre deux, trois. Et puis, dans cette famille, c'est polygamie. Quelle est la culture chez vous? Vous avez entendu ces gens, de jeunes gens? Non, chez nous, mais prendre une autre femme, ce n'est pas un problème. Hein? Nous, d'ailleurs, tous mes aïeux, tout ça, vous avez plusieurs femmes. Nous, on est une famille nombreuse. Hein? D'ailleurs, quand nous, et puis tu es fier de quoi? Tu es même fier de ça. Ça a été établi par un monsieur pour jouir de son ego, pour jouir de son arrogance, n'est-ce pas, a établi une ligne de conduite. Et c'est resté la culture de cette famille-là. J'ai parlé au premier culte de cette affaire dans une communauté qu'on appelle Chibao. Vous avez déjà entendu parler de ça. Si la femme commet l'adultère, maintenant le mari lui commet plusieurs adultères, les Chibao ne fonctionnent pas. Jusqu'au jour où la femme commettra l'adultère, le Chibao va fonctionner. Qui a établi ça? Mais ce n'est pas juste. Toi aussi, monsieur, tu as commis l'adultère. Mais côté Chibao aussi. Vous voyez, la plupart des cultures, les cultures naissent par certaines choses. Mais si ta culture est sous-bassée par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle va être une culture qui va t'amener loin dans la vie. Et je te conseille de rentrer à la maison et de revérifier, revisiter la culture de ta maison. Est-ce que la culture de ta maison, c'est juste des lois qui servent le papa? Trois morceaux par plat.
et demi-morceau par enfant. C'est aussi une culture à certaines maisons. Hein. Demande un peu au papa qui est à côté de toi. Chez toi, c'est comment? C'est 4 morceaux pour les papas et 1/4 pour chaque enfant. Ou bien c'est 1 morceau pour les papas et les lukondi, les pondou pour les autres. Quelle est ta culture? Ta culture, c'est quoi? On mange à la cuisine. Est-ce qu'il n'y a plus rien dans la marmite? Pourquoi tu viens... Femme, rentre à la cuisine. Tu as tout vidé dans la marmite. Laisse-moi manger avec toi. Tu es mon mari. Qu'est-ce que ça coûte manger avec toi à table ou dormir avec toi dans le lit? Qu'est-ce qui est plus grave? Si je ne peux pas manger avec toi à table, chasse-moi du lit aussi. Et toi, Kendegas? Oh, arrange-moi le lit. Mais c'est ton lit, arrange-toi-même. Écoutez, la famille, c'est l'idée de Dieu. Celui qui veut réussir sa famille doit se référer à l'idée de Dieu. Tu échappes à ça, il n'y a pas d'avenir pour ta famille. Et j'aimerais dire, mes amis, les gens qui habitent avec nous ne sont pas un problème. Écoutez, quand tu fais du bien aux êtres humains qui vivent avec toi dans ta famille, tu es heureux. En quoi? Un, ça constitue une large sécurité pour toi. Regarde, si ton domestique, tes servantes, tous ces gens-là que tu connais sont heureux chez toi, ton chauffeur, ton gardien, même les caca qui ne sont pas, ils ne vivent pas, ils viennent travailler, ils sont heureux. Ils sont heureux quand ils viennent chez toi. Mais tu es heureux? La Bible dit, Dieu te gardera dans la ville. Il te gardera dans les champs. Et parce qu'il savait qu'il y avait des membres de famille partout là. C'est la sécurité. Mais aussi, quel bonheur de faire le bien. Toi, tu veux faire le bien aux inconnus là-bas? Et puis les gens de ta maison, tu es courroucé. Quand tu rentres dans la maison, Et les enfants, ils ferment la télé rapidement, ils ont fui en chambre. Ils risquent de monter même au plafond. Qu'est-ce qui se passe? Shérif vient d'arriver. Quand on attend, ping, ping, tchan, 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 ils sont partis. Même ta femme a envie de fuir dehors. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu es un diable, quoi. Est-ce que... Mais malheureusement, c'est ça ta culture. Tu es fier. Et tu... Moi, quand je rentre chez moi, les gens se mettent en ordre. C'est ça, se mettre en ordre? Où les gens s'inscrivent pour ton malheur. Hein? Et il y a des filles comme ça qui disent, non, moi chez nous, mon père m'a montré le modèle, hein. Moi, ma mère, là, hey, moi, la caméra, hein. Bon, comme tu m'épouses là, donc tout ce qu'ils ont. Tu veux venir avec ta culture de chez vous, une culture malheureuse, dans ma maison. Rentre chez vous, va chercher quelqu'un de te marier là-bas. Hein, Missy Koutaki, Rudy Akwen. Hein? La famille, c'est l'idée de Dieu. Je ne sais pas si vous me captez. Je suis en train de dire ceci. Si Dieu n'avait pas l'idée de créer la famille, il n'allait pas créer Adam. L'idée de la famille précède l'idée de la création de l'homme. Ok, la culture. C'est sûr que le temps est déjà fini. Et puis, parlons du sixième composante. Cinquième, c'est la culture.
Quatrième, c'est les serviteurs et servants de la famille. Genèse 12, 5. On a vu Agar, Genèse 16, 1. On a vu Éléazar, Genèse 15, 2 à 4. On a vu les serviteurs d'Abraham. 318 serviteurs. Abraham, tu es bon, hein? Hein? Et puis il est écrit 318 serviteurs braves, nés dans sa maison. Ah, ah. Abraham était puissant, hein? Donc, même tes serviteurs, hein, c'est Marie chez toi, et puis ils mettent au monde, et puis les autres sont nés chez toi. Quel bonheur d'être un grand-parent comme. Je crois que c'est pour ça même que Dieu a dit, ces gars-là, je dois les choisir, je vais partir avec lui, j'ai fait alliance avec Abraham. Il s'est dit, ce type ici comprend mon idée sur la famille. 318 vaillants qu'il prend dans sa maison pour aller combattre à faveur de Lot, pour délivrer Lot. Toute une armée dans la maison. Alors, sixièmement, la foi de la famille. Chaque famille, qu'elle soit famille ordinaire, elle a son Dieu. Et ce Dieu peut être en majuscule ou en minuscule. Il a ce Dieu. On voit à Lystre Paul, qui est appelé Jupiter, et Barnabas Mercure. Et on veut leur égorger des veaux pour sacrifice, parce qu'il vient de faire un miracle. C'est quoi chez vous? À Lystre, ils ont leur dieu, Mercure et Jupiter. On peut se dire, bon, Mercure vous a créé. On voit Paul à Athènes, dans Actes 17, 23. Et il voit dans la ville en passant que c'est écrit aussi un hôtel, hôtel au dieu inconnu. Il dit, hey, mais ces gens, ils ont les dieux inconnus, mais c'est le dieu que je leur prêche. Et il l'introduit par là. Il dit, le dieu que vous appelez le dieu inconnu là, c'est celui que je vous prêche, le créateur qui a envoyé son fils pour nous sauver. C'est lui. Mais dans notre société, dans nos familles, on retrouve des personnes qui sont dans le syncrétisme. Ils ont cru au vrai dieu. Mais ils ont aussi adopté un petit dieu par rapport à un miracle, à une réalité, un mystère qu'ils ont constaté. Et ça, ça facilite à Satan de jouir et de se faire des âmes qui le servent et qui l'adorent comme il voulait qu'il en aille depuis le commencement. Et les démons profitent de ça pour se faire des adeptes. La foi de la famille. Cette foi de la famille, disais-je, naît souvent par les sentiments d'admiration à une réalité mystérieuse ou inconnue dans la société. C'est ce qui a engendré les dieux de la pluie, les dieux de la fertilité, que vous avez dans vos communautés et que les gens les servent et donnent des offrandes là-bas parce qu'ils se sont dit, mais la pluie là, ça vient comment d'abord? Ils n'avaient pas encore étudié la physique, la loi de l'évaporation qui est tout ça, la décantation et tout ça. Mais ils sont restés collés à ça. Bwana asifiwe. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, retrouve le vrai Dieu pour ta famille. C'est de ce vrai Dieu qu'est venue l'idée de la famille. Tu ne réussiras pas loin de ce Dieu-là. Et si tu n'as pas ce Dieu, viens à lui aujourd'hui. Il peut t'aider à récolmater les ossements desséchés de ta famille. Tu peux retrouver la paix et le bonheur dans ta famille. Il n'y a pas plus de bonheur que de faire du bien. Il n'y a pas plus de bonheur que de voir les gens heureux autour de toi.
Si tu te sens gêné lorsque tu vois quelqu'un heureux autour de toi, c'est toi qui es satanique. Tu es sorcier. Si quelqu'un est heureux, le fait d'être avec toi, dans ta famille, et toi ça t'énerve, c'est quel cœur là? Tu es vraiment satanique. Le bonheur réside dans le partage. Dites avec moi, le bonheur réside dans le partage. Dis-le, si vous aimez. Hein? Dis-le bien. Le bonheur réside dans le partage. La solitude tue parce qu'on manque avec qui partager. On manque avec qui parler, avec qui s'entretenir. Mais quand on a autour de soi des êtres humains à qui on fait du bien, des êtres humains que l'on rend heureux, des êtres humains qu'on voit en train de s'épanouir, en train de se développer, c'est ça la source du bonheur dans la famille. À la famille. Mais vous ne pourrez donner que ce que vous avez. Quand vous-même, il n'y a pas de bonheur en vous, vous allez donner la mort. Si dans ton cœur, il n'y a que des blessures. Vous savez, certaines blessures, nous pensons toujours que ça vient des autres. Ce n'est pas vrai. La plupart des blessures viennent de notre conception de la vie, de notre conception de ce que nous sommes, et on est frustré parfois pour des choses qui ne sont pas valables. Et ça commence à te faire souffrir parce que, en fait, tu as besoin d'être reformaté. Si tu es bien reformaté, les mêmes choses que tu étais en train de vivre, tu vas les vivre, mais tu vas trouver que c'est bon. Je parle à quelqu'un. Faites un effort de pouvoir regarder la vie positivement. Faites un effort de pouvoir regarder la vie avec bienséance et bienveillance envers toi-même et envers les prochains et avec référence à l'idée de Dieu sur la famille. Tu vas voir que le bonheur est normal et c'est simple. Hein, papa? C'est pas si compliqué que ça. Pour être heureux, c'est pas difficile. Du reste, la personne qui est heureuse tire son bonheur d'abord de lui-même. Amen. Le bonheur que nous vivons, mes amis, ça vient pas d'abord de l'autre. Ça ne vient pas d'abord de l'argent qui vient de dehors, ça vient de ton propre cœur, de la manière dont ton cœur fonctionne. Si ton cœur fonctionne mal, tu vas voir toutes choses comme dangereuses, comme mal, comme des épines, tout va mal pour toi. Mais si ton cœur fonctionne bien, c'est toi qui seras en train d'offrir du bien aux autres. Tu offres, tu distribues. Tu donnes, tu partages. Ok, toi, tu es up. Tout si mal, mais basse. Alors, j'ai encore quelques minutes, hein? Apparemment. Non, la Sainte-Seine est compris. Alléluia. La septième composante, c'est l'espace de vie. L'espace de vie. Dans Genèse, chapitre 2, verset 8, il est écrit, « Et Dieu planta un jardin en Éden, et il prit l'homme et le plaça dans le jardin. » C'est-à-dire Dieu délimita
un espace. Dieu créa pour la famille un espace où la famille va fonctionner. Chaque être humain sur la terre a un espace que Dieu lui a prévu. Je disais, le nomadisme permanent n'est pas correct selon Dieu. Le nomadisme est souvent motivé par cet esprit de paresse ou de manger ce qui est mûr. Quand ce qui est mûr est fini ici, je vais ailleurs pour chercher ce qui est mûr. Le nomadisme ne permet pas à la personne de se développer. J'ai vu en Israël, on descendait vers la mer morte, des familles parsemées par là avec des chèvres dans des huttes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, non, eux, dans leur tribu là, c'est ça leur culture. Ils ne peuvent pas aller vivre en ville, ils ne peuvent pas, pour eux, c'est ça la vie. J'ai dit, mais il faut souffrir. Israël est quand même riche. On dit, non, c'est ça qu'eux, ils ont choisi. Le nomadisme. Chers amis, quand tu comprends ces choses, tu te rends compte que Dieu dit à Adam, je t'ai mis à Éden. Il n'a pas dit à Adam cultiver le monde. Il a dit quoi? Cultiver le jardin où je t'ai mis. Gérer le jardin. Gérer la spiritualité dans le jardin. Quel est le mystère et l'avantage? C'est-à-dire, si Adam doit vivre à la cueillette pour partir partout où il est, il va être en train de partir sur toute la terre. Mais Dieu lui donne l'opportunité. Quand ce qui est dans le jardin est épuisé, cultive et reproduis ça. Quand ce qui est dans ta vie est épuisé, cultive, travaille, reproduis. C'est ça l'idée de Dieu pour la famille. Et la plupart des malheurs que connaissent les familles pénètrent dans les trois espaces. La culture, la foi et l'espace. Même Satan, quand il essaie d'attaquer une famille, il passe par là. Il passe par votre culture, il passe par votre foi et il passe par votre espace. Sache, frères et sœurs, que si tu dois développer tes affaires dans le monde entier, ça doit avoir l'origine de chez toi. Certains peuples ont respecté cela. J'ai vu en Ouganda, les familles ont chez eux. Et à Noël, tout le monde va chez eux. Et tout le monde est obligé de construire chez eux. Et quand il y a enterrement, on enterre chez eux. On ne va pas connaître ce que nous vivons ici. Où un tracteur peut venir sur la tombe de ton père. Et quand tu veux bouder, on te dit, tu n'as qu'à aller à la justice. Et quand tu vas à la justice, tu reçois quoi? Tu reçois les ossements de ton père dehors. Et tu les ramasses et tu vas aller les enterrer où? Chez vous. Et chez vous, c'est où? Chez toi, c'est où? Seigneur, récupère les ossements desséchés de ma famille. Seigneur, ramène la vie dans ma famille. Seigneur, redonne un sens à ma famille. Seigneur, donne un avenir à ma famille. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, stabilise ma famille. Seigneur, donne le bonheur à ceux que tu as mis autour de moi dans ma famille.
Seigneur, aide-moi à consolider ma famille, à bâtir ma famille. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais grâce à ma famille. Fais grâce à ma femme et mes enfants. Ramène nos cœurs ensemble, comme un tout, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Moi et le Père, nous sommes un, tu as dit. Seigneur, que cette réalité vienne dans ma famille. Que nous soyons un. Car toi et le Père, vous êtes un. Sauve ma famille, Seigneur. Sauve ma famille, mon Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Récupère là où c'est abîmé. Corrige. Seigneur, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Sauveur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous acclamons le Seigneur. Et nous passons à la Sainte Cène. Nous passons à la Sainte Cène en lisant ce texte. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Il est écrit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et puis il ajoute, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai. Je ne boirai plus jusqu'au jour où j'en boirai. Ici nous sommes en famille, nous lançons la Sainte Cène. La veille du jour où il fut livré, nous lançons la Sainte Cène et nous mangeons en famille. Mais vous, vous allez rester manger en famille et puis moi je reviendrai vous prendre et dans les airs, on va manger ensemble en famille. Alléluia. Même la Sainte Cène a été conçue avec une perspective famille. Perspective famille. Amen. Caribou pour les serviteurs, nous découvrons la table et nous allons participer à la table. Je rappelle certaines choses. La Sainte Cène n'est pas la scène du deuil de Jésus. Nous ne faisons pas les deuils ou les funérailles de Christ. Mais nous célébrons la victoire que Christ a acquise pour nous par sa mort et sa résurrection. La Sainte Cène, c'est une opportunité de confesser la mort et la résurrection de Christ. Il est mort, il est ressuscité, il a livré son sang, il a livré son corps afin que nous vivions, afin que par là, nous soyons introduits dans sa famille. Et qu'il devint le premier-né d'entre plusieurs frères. La Sainte Cène a toutes ces merveilles dont nous avons partagé dans un enseignement la fois passée. Quand tu participes à la table, tu vitalises, tu vivifies, tu actives les mystères qui sont cachés dans la coupe, le sang, les mystères qui sont cachés dans le pain, le corps de Christ. Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. Vous n'avez pas la vie en vous. Voyez ces mystères-là. Donc, participer à la table du Seigneur, ça nous aide à pouvoir vitaliser les promesses de Golgotha dans notre propre vie. Et ça active la vie de Dieu en nous. Amen.
Amen. Dans le jour où il fut livré, il a pris la coupe et il a béni cela. Seigneur, nous bénissons ce pain, nous bénissons cette coupe. Voici ce pain, nous le sanctifions pour ce service. Et quiconque le prend, expérimente les mystères de tes meurtrissures. Que la guérison coule à ce moment dans les corps. Que les merveilles de l'épanouissement, de la prospérité, de la vie abondante coulent en ces lieux. Pendant que nous prenons ce pain, bénis-les pour cela. Seigneur, que cette coupe soit sanctifiée. Tu as dit, prenez ceci et mon sang, le sang de la réconciliation, le sang du pardon, le sang de la délivrance, le sang du retour à la maison. Seigneur, alors que nous le prenons, donne-nous ce privilège d'être revivifié dans notre famille avec toi. Tu as dit, la vie est dans le sang. Que cette vie soit répandue dans notre être entier lorsque nous prenons cette coupe. Et que toute cette table soit sanctifiée et bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes né de nouveau, vous marchez en nouveauté de vie et vous avez été baptisé par immersion, caribou, à la table du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse dans cette communion ensemble. Amen.